Cette semaine, nous vous proposerons le voyage du docteur Doolittle de Stephen Kagan avec Robert Dunaway Jr. et Antonio Banderas. Le brave docteur Doolittle ne donne plus signe de vie depuis longtemps. Il s'est retranché dans sa propriété avec ses animaux loin des humains. Il possédait pourtant une forte réputation de vétérinaire avec un don de communication avec les bêtes. Celle-ci l'avait instauré comme le vétérinaire attitré de sa majesté. Aujourd'hui, l'heure est grave. La reine est tombée malade et réclame les conseils de son ami. Elle mandate la jeune Lady Rose avec pour ordre de ramener le bon docteur à son chevet. C'est le moment que choisit le jeune Tommy, incapable de tuer un animal, pour entrer en apprentissage auprès de Doolittle. Dernier n'a pas le choix. Il sort de sa tanière pour un diagnostic mortel. Il ne reste plus qu'un espoir pour sauver la reine, la fleur d'un arbre mythique. C'est cette dernière que sa femme était partie chercher. C'est dans cette quête que l'amour de sa vie a perdu la vie. Il n'a pas le choix. Il lui faudra braver les tempêtes, les traites des animaux farouches, la nature et ses secrets pour trouver le remède miracle. C'est ainsi que notre brave docteur, accompagné de sa bande d'animaux favoris, du jeune Tommy, partent sur les routes de l'aventure. C'est normal d'avoir peur. C'est pendant la Première Guerre mondiale, au fond des tranchées, qu'Hugh Lofting crée le personnage de Doolittle. Il naît à travers les lettres envoyées à ses enfants pour combler son absence et devant le courage des animaux au front. Le succès du personnage, récompensé dès le second volume, verra l'édition de 12 tomes. Au cinéma, on compte pas moins de 7 adaptations. En 1967, l'extravagant Dr. Doolittle, comédie musicale américaine de Richard Fleischer avec Rex Harrison. Et puis, de 1998 à 2009, le Dr. Doolittle, 5 versions avec Eddie Murphy. Et il existe un beau volume aux éditions Ipagine pour ceux qui voudraient voir le texte original. Cette nouvelle version avec Robert Dunaway Jr., un peu moins rondouillard que l'original, mais convaincant dans le rôle, renoue avec l'époque victorienne. Il s'émancipe de la comédie musicale et des versions plus récentes en prenant le chemin de l'aventure et de l'humour. Référence aux contes de notre enfance, Andersen, Grimm se retrouvent partout dans le film avec celle des romans originaux. Personnage au trait bien marqué, emprunte aux contes récits pour enfants dans la grande tradition du genre. Thématiques universelles comme le ravage de la guerre, la complexité des écosystèmes, la discrimination, l'amour. Mais écoutons Robert Dunaway Jr. à l'occasion d'une conférence de presse où nous étions à Paris. Très inspirant. Carmel de dire oui, puis ce qui était génial, c'est qu'il nous invitait souvent en dehors du tournage. Donc on a pu comme ça établir une connexion. Et je crois que ça aussi, cette complicité, on la voit à l'écran. Et Robert à ce moment-là dit oui, puis en plus on travaillait tout le temps. Rappelez-vous cet hôtel complètement dingue qui s'appelait The Bear. Donc The Bear, right? L'ours. Another animal, hein? Alors, et en plus, donc, apparemment, c'est un hôtel hanté. Alors, Harry dit, moi, je ne sais pas si vraiment je crois aux fantômes et aux trucs hantés, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je ne pouvais pas rester dans la pièce, j'ai pas pu dormir.